Techno sans rêve, pas de rêve sans techno. Comme cette musique, la rêve prend plusieurs formes, plusieurs visages, du plus hors norme au plus respectable. Mais la rêve reste une fête qui correspond aux gens qui la consomment. La rêve n'est que cela, même si certains ont vu en elle de nouveaux rites religieux, de nouvelles sectes. La fête, elle se définit par son côté de rupture et par son côté surprenant. C'est-à-dire qu'il y a fête parce qu'il y a surprise. Parce que quand on va quelque part, on n'en sort pas, de la même manière quand on y était rentré. Pourquoi ? Pour plein de raisons. C'est la musique, c'est les gens qu'on rencontre, c'est ce qu'on y consomme, c'est ce qu'on y raconte, etc. Bon. Donc les rêves ont ce côté dans un temps un peu héroïque, qui est effectivement d'avoir constitué des endroits qui vont être des points de départ. Que les vaches se rassurent. La venue du printemps est souvent propice aux free parties, aux technivals, fête totalement illégale, organisée le plus souvent à l'extérieur et gratuite. Appartenir à un mouvement, c'est ce que la plupart des jeunes recherchent en y venant. Ils sont acteurs, pas simples spectateurs. J'aime bien la musique, et puis quand cette forme est apparu, ça m'a fait du bien, quoi. Ça fait réapparaître les soirées avec de l'ambiance, avec beaucoup de monde, avec des essais de nouveaux raisonnements, et puis c'est la musique qui, après le rock, a remis un peu de jus là-dedans, quoi. Je pense que là, c'est le truc, le bon côté du mouvement, c'est quand tu prends un mouvement pas en cours, ou enfin, nous, on l'a pris un peu en cours en France. Et tu prends un mouvement pendant qu'il est vivant. Quoi. Et le rock, ça c'est des trucs, je comprenais pas pourquoi quand on jouait dans les bars, il n'y avait personne, on faisait chier le monde. Mais là, il me semble que je me dis que c'est parce que le rock était plus en mouvement, quoi, qu'il était fini. Et comme je travaille dans le spectacle, c'est vrai que je m'aperçois que sous d'autres facettes, le rock, il est devenu une bonne industrie, quoi, pour plein de gens. Donc il n'a plus la vocation que je recherche moi. Selon comme tu es dans ta tête, quoi. Je suis pas allée en ça, si t'es pas bien dans ta tête, même si tu prends quelque chose, ça empire les choses, tu vois. Et même si les gens s'amusent autour de toi, c'est pas gagné, quoi. C'est aussi selon comme chacun a au fond de lui, quoi. Après, ça fait amplifier les choses, si t'es bien, t'es bien. Si t'es pas bien... Tu pars dans une voiture, comme si tu pars en bateau, quoi. Enfin, à plein de choses près, quoi. Si t'as terminé tes tests, je veux dire, il y en a, ils vont te trouver, au bout de 5 minutes, tu vas trouver la table, il y en a, ils vont galérer pendant 2 heures, bah forcément, quand t'arrives, t'as pas la même motivation. Ouais, ça dépend, ça fait drôle de galérer quand tu cherches une tête, ça fait partie du truc, quoi. Ouais, mais regarde, après, moi, franchement, tu sais, la sœur de la Dragon Ball, après, quand on est arrivé, moi, j'en avais marre, j'étais démotivée. Ouais, mais pas moi, je me suis amusée. Bah, justement, donc la preuve qu'on vit pas de la même façon. Pour éviter les forces de l'ordre, les organisateurs de ces fêtes ont recours à des stratégies dignes de nos maréchaux. Même si les adeptes se perdent parfois, cela fait partie des rêves. Un jeu de piste avec pour récompense plusieurs jours d'extase et de dépaysement. Pour certains, retrouver la vie quotidienne reste dur. La soirée, c'est évidemment le meilleur moment d'un cheminement, quoi. La soirée, c'est là où, en général, t'es plus content, quoi. Et du phénomène, et c'est là qui fait le plus de bien aux gens. Les après-soirées, c'est dur, selon si tu te remets au boulot ou... C'est dur, hein, de sommeiller une nuit blanche, repousser ton seuil de sommeil, discuter,
sentir des fois qu'il y a plein de choses possibles dans la vie, de toute manière, ça met des claques, quoi. Prévenir plutôt que réprimander est le travail permanent de l'association Techno Plus. La drogue existe, pas seulement dans le milieu techno. Pourtant, on l'a souvent diabolisée à cause de cela. Il y a un phénomène, par exemple, dont on a parlé dans nos brochures d'information, c'est cette espèce de dépression du mercredi, on appelle ça le coup de blues du mercredi, c'est-à-dire que quand on consomme l'ecstasy pendant le week-end, deux ou trois jours après, on va avoir un coup de déprime, vraiment on n'a plus d'énergie, on n'est pas bien, etc. Et il faut que les gens soient avertis. Quand ils ne sont pas avertis, ils peuvent paniquer, avoir de très mauvaises réactions. La pire étant de s'enfermer sur soi-même en position de repli et broyer le noir, tout simplement. Je fais quoi ? Une méthamphétamine, c'est-à-dire que c'est de la même famille que l'ecstasy. Je ne peux pas t'affirmer que c'est de l'ecstasy, mais c'est une molécule de la même famille. Après, pour savoir plus, tu vois, il faudrait le faire en laboratoire. Je ne peux pas te dire plus. J'ai mis en place le testing, qui est une façon de faire la différence entre ce qui est des méthamphétamines, des amphétamines, des hallucinogènes, ou des produits qui ne réagissent à aucun de ces trois réactions. Ça permet d'informer un petit peu les jeunes, parce que c'est eux qui sont les plus en danger, les plus vulnérables, sur le produit qu'ils ont entre leurs mains. Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est que ça ouvre tout un champ de communication qui avant était censuré. Ça nous permet de donner des informations qui sont relativement fiables, bien qu'on aimerait aller beaucoup plus loin. Je pense qu'il y a un accord politique au niveau du ministère de la Santé. J'ai eu l'occasion d'en parler avec M. Kouchner et il semblerait qu'il soit d'accord. Maintenant, les fonctionnaires du ministère de la Santé traînent un peu les pieds pour mettre en place ces mesures. J'espère qu'on y arrivera parce que le testing en lui-même, c'est pour moi une fausse sécurité, c'est insuffisant. Il faut pouvoir faire une carte de France des produits consommés. Il y a sans doute en France entre 50 et 100 produits qui circulent en permanence et qu'il faudrait pouvoir expertiser au moins une fois par mois pour voir l'évolution du marché et détecter les produits dangereux. On a fait un flyer d'information cette année sur LSD Ecstasy, mais comme les gens consomment d'autres produits de l'Ecstasy, il faudrait aujourd'hui faire un flyer sur les produits qu'ils consomment. On est en train de penser, par exemple, avec Médecins du Monde, à essayer de répertorier les principaux médicaments qu'on trouve dans les rêves, de façon à informer les gens qui ne confondent plus un comprimé Nivaquine avec de l'ecstasy. J'ai même eu le cas de quelqu'un qui est arrivé avec un buvard de LSD en me disant « Est-ce que tu peux m'analyser cette ecstasy ?» Il ne savait pas faire la différence entre du LSD et de l'ecstasy. Encore une fois, c'est les plus jeunes qui sont les plus vulnérables. D'après toutes les petites enquêtes qui ont pu être faites, recherches qui ont pu être faites, c'est que d'un côté, on a un milieu qui tient assez fortement l'identité techno avec les rêves sauvages, etc., où là, on garde un peu les caractéristiques de l'origine en termes sociaux, plus étudiants, plus classe moyenne, on dira. Bon. Et puis, alors, le marché où là, on aura de la techno, et là, il y aura tout le monde, mais ce sont deux mondes à part. Hein, puis, c'est plus les rêves, c'est plus des événements, c'est rentré dans la grande consommation. Durant ces dernières années, on a vu apparaître d'autres types de fêtes, des fêtes moins underground, payantes et avec toutes les autorisations nécessaires. Que ce soit en boîte de nuit ou dans des salles de spectacle, elles sont totalement légales. On y vient s'amuser et danser. Mais tout n'est pas si simple pour les organisateurs. La techno est obligée de se couvrir deux fois plus parce qu'on a eu une très très mauvaise presse pendant de nombreuses années qui nous a un petit peu, je dirais, porté préjudice. Maintenant, on en paye les pots cassés et c'est vrai que pour organiser une soirée à l'heure actuelle, c'est très difficile. On est obligé de s'entourer de cabinets d'avocats, on est obligé de s'entourer de cabinets d'expertise qui vont confirmer auprès des autorités en fait, et de la préfecture la faisabilité en fait, de l'événement auprès de leurs services. Mais c'est très très difficile et on a des dépenses qui sont nettement supérieures au groupe rock, par exemple. La techno étant une musique nouvelle, c'est comme toute musique nouvelle, elle suscite des peurs, des fantasmes. Et bon, la presse aussi a beaucoup associé cette musique à des problèmes de stupéfiants. La politique aussi des gouvernements était très répressive à l'égard de la techno. Il y a une circulaire qui existe au sein de la police et pour la gendarmerie, donc qui donne tous les moyens, explique toutes les ruses pour interdire un événement techno.
Et donc maintenant, on commence à avoir un retournement d'image. Les gens se rendent compte que c'est une culture, que ça représente de la création dans différents domaines et que ça mérite de s'y pencher un peu plus et de laisser tomber ces a priori et d'aller découvrir. DJ Star à l'affiche, visuel alléchant, gros son et bonne lumière sont les ingrédients obligatoires pour attirer du public, souvent freiné par le prix élevé. De manière générale, contrairement là aussi à pas mal d'idées reçues, organiser une soirée techno, c'est très risqué financièrement, c'est souvent très peu rentable, parce que c'est des événements où on offre vraiment un spectacle total aux gens et ça coûte cher. Et les gens acceptent de payer cher un concert, mais encore du mal à comprendre qu'une soirée techno, il faut aussi qu'elle soit chère pour qu'elle soit bien et pour qu'elle soit viable financièrement. Parler de mouvement techno, avec ses différentes tendances, ses professionnels et son public. Le Sonar est le premier festival de musique électronique en Europe. Un savant mélange de musique et d'art. Créé il y a 5 ans à Barcelone, il a su s'agrandir et s'adapter aux nouveaux sons. Peut-être c'est qu'il y a beaucoup d'activités qui ne sont pas seulement de spectacles, etc., sinon de conférences, d'une activité professionnelle très grande. Donc on essaie de que le festival soit utile, pas juste pour des présentations d'artistes devant le public, sinon avec aussi l'industrie, des conférences. Ici, les gens peuvent venir ici pour faire business, pour voir des artistes et aussi pour réfléchir un peu, de découvrir de nouveautés technologiques, artistiques. Hein, donc, c'est peut-être il y a des moments qu'on pense que le nom festival, en fait, c'est un peu bizarre pour nous, en fait, parce qu'il y a un mélange là que c'est pas comme le festival classique de musique. L'évolution même dans la musique électronique, c'est pour ça que chacun il y a des styles nouveaux. Par exemple, cette année, il y a une chose un peu particulière, c'est le chanteur. On amène de gens comme J.J. Johansson, Jimmy Tenor, Wipe Productions, Astrut, c'est un groupe de Barcelone. Et ils combinent la voix avec les appareils électroniques. Ça, c'est déjà une évolution que
qu'il y a 3 ans, bon, c'était pas tellement visible. Futura, festival de musique acousmatique, a vu apparaître de nouvelles personnes dans ses rangs. En effet, il attire de plus en plus de technomanes venus voyager à travers les sons et admirer leur grand-père adoptif, Pierre-Henri. Futura est un festival donc, que nous avons créé il y a 5 ans. Chaque année, nous faisons des concerts, entre autres dans cette tour, mais là, sur la ville de Cray aussi. Nous avons fini par concentrer plus spécifiquement dans la tour puisque le lieu s'est bien associé aux sonorités de cette musique. Nous l'avons créé donc pour donner un peu une vitrine internationale de cet art de façon la plus large possible, la plus ouverte possible, en dehors de tout souci esthétique qui peut être lié à un groupe spécifique. Sur cette invention de Pierre Schaeffer en 48, Pierre-Henri s'est tout de suite greffé. Et c'est en fait le premier compositeur d'importance qui a vraiment fait le pari sur cette musique-là que l'on fête à cette occasion-là. Actuelle de live, on va dire, live interprétation d'œuvres sur support, mais dans ce cas-là, je pense que c'est pas la même tradition, c'est-à-dire que ça ne s'apparente pas à une tradition d'écriture en studio et de projection fidèle à cette écriture, mais en revanche à une espèce d'œuvre à plusieurs étapes, c'est-à-dire une étape de fabrication de phénomènes sonores et de mixage, et puis ensuite une étape d'interprétation live qui est aussi importante quant à la structuration. Je pense que ce n'est pas les mêmes démarches, quoi, simplement. C'est pas la même. Je ne dis pas d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a une chose plus intéressante qu'une autre. Moi, je sais que j'appartiens plutôt à une tradition d'écriture, aussi peut-être parce que je pratique de la musique instrumentale. Donc, on a l'idée d'un résultat fini et de le servir ensuite au mieux, comme l'interprétation instrumentale, d'une certaine façon. Ce n'est pas tout à fait la même démarche, et j'imagine bien que dans des jeunes gens aujourd'hui, il doit y avoir une espèce de revendication un peu hard ou brutale par rapport à l'idée de détruire quelque chose ou de le transformer complètement en live ou sous les yeux du public. C'est une autre pensée.
le monde de la techno a rencontré Pierre, parce que je pense que c'est pas le contraire. Et ce qui est assez curieux, donc à des concerts de musique contemporaine, donc qui peuvent être des concerts un peu savants, on va dire, avec des gens habillés, on voit arriver du public dit techno sans sectarisme et qu'à un certain look, quoi, qui sont très très intéressés par la musique que fait Pierre, le considérant comme un précurseur au sens du sample, puisqu'en fait c'est lui qui a commencé à couper des petits morceaux, quoi, dans un ensemble bien sûr de compositeurs. Et Pierre est confronté très souvent à des remixes qui sont faits de ses œuvres, qui ont été faits chez Polygram, des hommages qui lui ont été rendus par des DJ du monde, quoi. Et il y a effectivement, je ne dirais pas un échange, mais c'est sûr qu'il y a un regard des deux musiques, c'est-à-dire que la musique que fait Pierre, et puis la grande curiosité et l'écoute très grande que peut avoir le monde de la techno, aussi étonnant que ça puisse être, par rapport à la musique très structurée que fait Pierre. Après la naissance de la techno en France, plusieurs styles de fêtes se côtoient. Des fêtes pour tous les publics. Même s'ils n'ont que très peu de relations entre eux, ils luttent pour la même cause, la technomusique. La Parade parisienne en est un bon exemple. Main dans la main et soutenue par les pouvoirs publics, la jeunesse techno a un peu détruit l'image négative que cette musique traîne derrière elle. Techno est aujourd'hui une musique qui a son public, sa place, son inventivité, son existence, et qu'elle a été longtemps considérée comme clandestine ou en tout cas un peu sulfureuse. Elle existe pourtant depuis 10 ans. Et nous considérons que cette musique doit trouver aujourd'hui son lieu de diffusion, en même temps aussi son apprentissage des professionnels, les musiques, et des concerts qui puissent se passer normalement dans les salles. On a préparé une circulaire commune qui devrait être prête dans quelques jours avec le ministère de l'Intérieur pour les concerts. Une circulaire qui sera adressée au préfet et qui permettra d'organiser dans de bonnes conditions les concerts en France, un peu partout, là où jusqu'à présent il y avait parfois des difficultés. C'est pas une reconnaissance, c'est simplement qu'on aime cette musique et on a envie de la faire découvrir aux autres. Et par ce biais-là, justement, ça permet à tout le monde d'accéder à ce milieu-là sans c'est problème. C'est pas encore assez développé en France par rapport aux autres pays, quoi.
En 87, en France, il n'y a strictement rien. Il n'y a même pas un disque, il n'y a même pas un titre qui passe sur les ondes. Jour après jour, avec un travail pédagogique, j'ai réussi à créer une House Nation. Je dois dire, avec l'aide des DJ comme Laurent Garnier, sans doute, on organisait des fêtes ensemble dans des petits locaux ici à Paris. Et voilà, à un certain moment, disons vers 89, le phénomène a explosé. La house est devenue la musique à la mode, la musique qu'il fallait écouter. Quoi. C'est un mouvement, puisque c'est pas quelque chose qui a été créé par les médias, par les maisons de disques ou par quelconque organisme commercial ou politique. C'est vraiment les jeunes eux-mêmes qui se sont organisés, qui ont récupéré du matériel, ont commencé à faire de la musique, ont commencé à dessiner, à commencer à créer un style, une façon de vivre et de penser. Ils sont à la fois des créateurs et des commerçants. Et ça, c'est très nouveau en France en particulier. Ils connaissent les problèmes de distribution parce qu'ils ont commencé par travailler sur la distribution du disque. Avant d'être DJ, ils achetaient des disques et ils savaient comment ça se passait, comment trouver, pourquoi on ne trouvait pas, où trouver des disques, etc. Donc ils connaissent ce réseau commercial très bien. Pour moi, les premières, c'est le hip-hop et la house. Quoi. Elles ont démarré avec les débuts du sampler, les choses comme ça, les boîtes à rythme. Donc, et depuis ce moment-là, aux États-Unis, et c'est grâce à des labels comme, enfin des labels indépendants, que la plupart des gros groupes de rap aux États-Unis et des gros producteurs de house ont démarré. Hein. C'est grâce à ça qu'ils ont fait leur tube. Ça a souvent été d'ailleurs produit chez des labels indépendants et ensuite licencié chez des majors. Dans la musique électronique, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout arrivé à la saturation et au nombre de labels qui doivent émerger et perdurer. On est plutôt encore dans une période un peu de gestation. Il y a encore plein de labels qui arrivent, il y a plein de labels qui sont en train de se créer, de sortir des choses. Une des choses qui fait que c'est quand même, je trouve, plus facile d'être indépendant dans la musique électronique que dans le jazz ou dans le rock, c'est que c'est une musique qui ne coûte pas cher dans l'absolu et sur lequel jusqu'à présent le ce qu'il fallait mettre par derrière pour vendre des disques, ce n'était pas des gros investissements. Avec ses propres deniers, c'est complètement c'est impossible en France. Quoi. Les labels sont viables dans la mesure où les dirigeants du label se payent pas sur la société. C'est-à-dire ne sont pas salariés sur la société, à ce moment-là c'est viable. C'est-à-dire qu'eux, ils doivent avoir une autre activité, une activité, souvent l'activité qu'ils ont, c'est du disque jockey. Et à ce moment-là, le label est viable. Pour peu qu'ils vendent. Qui vendent quand même pas mal, qui vendent au moins 15 000 de chaque, quoi. De chaque disque qui sort, c'est viable.
bien qu'un petit label peut rapporter gros et qu'il suffit de bien le distribuer, de bien en faire la promotion et que tout le monde est devenu businessman dans ce milieu, que ce soit la techno, le rap ou autre chose. C'est-à-dire qu'on est en face de petits businessmen qui lancent un label, qui lancent ne serait-ce que MTM en train de splitter, ne serait-ce que IAM en train de splitter. C'est une manière de faire des petits et de lancer dans la nature, comme un système darwinien, un maximum d'espèces pour qu'il y en ait un maximum qui survivent et occupent le marché et non pas le territoire. Dans la techno, ça représente. Les mecs, ils pressent un disque, 15 jours après, ils en sortent un autre, ils font leur propre disque. Ça va extrêmement rapidement. Et la France est un marché trop lent pour pouvoir suivre. Et ça, c'est une des caractéristiques majeures du marché français de la musique, c'est la lenteur. C'est pas forcément un inconvénient, hein, parce que on voit par exemple en Angleterre, maintenant, les jeunes producteurs indépendants s'arrachent les cheveux, parce qu'il suffit que le disque sorte, hop, une semaine après, c'est terminé, on passe à autre chose. Donc ils n'ont pas le temps de faire valoir leurs œuvres. Et ils sont extrêmement frustrés. Alors qu'en France, on prend 6 mois pour démarrer un single, voir qui s'y intéresse, qui ne s'y intéresse pas, cibler le marketing, faire un petit topé par-ci, nanana. Et on prend son temps. Donc on a une chance de le faire se développer. À l'étranger, ça ne marche pas du tout comme ça. C'est une musique qui a besoin de trouver ses racines, parce que c'est une musique nouvelle, et qui n'a pas été tout de suite rentable, donc il n'y a pas tout de suite intéressé les majors. C'est une musique sans parole, une musique qui vivait elle-même avec le vinyle et des réseaux complètement underground que la major ne maîtrisait pas du tout. Donc il a fallu que des artistes se profilent, que cette musique devienne mature, pour qu'elle intéresse vraiment une grande maison de disques qui a besoin d'un profil artiste, d'un personnage charismatique à mettre en avant, d'un morceau avec des paroles pour vendre aux radios, etc. Il y a beaucoup de morceaux techno qui sortent aujourd'hui qui n'ont une utilité finalement qu'au cœur d'un mix et qui ne seront pas exploités par une major. Qui resteront dans une exploitation vraiment underground, à savoir les magasins de vinyle, les DJ, les sidecase et le mix. C'est vraiment pour faire danser les gens. Après, il y a une autre techno un peu plus profilée, un peu plus calibrée, qui est en plus dans les formats habituels qu'on peut marketer, qui est travaillé par les majors aujourd'hui. Les indépendants ont besoin de majors, donc il arrive souvent que des labels indépendants signent des deals de licence avec des majors, mais restent artistiquement indépendants, mais ont besoin de la force de vente des majors. Donc je pense que ça continuera à exister parallèlement. Je pense aussi que qu'il y aura des mariages avec des labels indépendants et des majors. C'est un travail de complémentarité, tu vois. Nous, on fait le travail, on installe le matelas à travers la distribution indépendante, les DJ le jouent, les radios, on a maintenant plein de connexions à travers le monde. Après, boum, ça prend le relais avec la major. Et là, c'est là que c'est intéressant. Je pense que les majors ne sont pas encore au courant, ils sont en train de travailler sur ça, mais ils ne savent pas exactement le goût des gens, et aussi, bon, tout le travail autour du DJ, etc., ils ne savent pas ça encore. Ça reste un domaine encore inconnu pour eux. Et bon, ça, effectivement, nous l'exploitons beaucoup mieux, je pense, que pour l'instant. L'avenir de la techno, c'est aussi l'avenir du showbiz, ni plus ni moins. Quoi. Parce que ça a été vraiment récupéré, pas forcément par le showbiz, mais par les mécanismes du showbiz. Quoi. C'est vraiment maintenant, la techno avant était vraiment une musique, je dirais, une musique à part entière, et maintenant, c'est plus d'une musique, ce sont des produits. Quoi. On cherche à vendre des produits comme des boîtes de concert. Il n'y a plus le fond qu'il y avait avant. Quoi. Ça, c'est évident. Donc le futur de la techno, ouais, comme le futur des boîtes de concert, on y en aura encore longtemps. La techno, je pense qu'il y en aura encore longtemps aussi. C'est une œuvre pour être vendue, elle doit être identifiée. Donc, c'est pour ça qu'il y a souvent une starisation à outrance pour repérer les personnes et des spectacles qui permettent là aussi d'identifier. Donc il y a le phénomène du spectaculaire qui entre en jeu.
pour un genre musical, t'as 10 ans de création et 10 ans, 20 ans derrière, c'est une exploitation commerciale. Tout ça par rapport à un regard extérieur. C'est-à-dire que bon, il y a une maison de disque qui est, la machine maison de disque qui se met en place, t'as la structure tourneur qui arrive, et à partir de là, on est dans une ère d'exploitation. Quoi. Mais quelque part, la création, elle n'a pas, elle ne s'est pas arrêtée. Quoi. Peut-être qu'elle stagne un peu pour mieux repartir, quoi, et où elle se déplace. Aujourd'hui, la musique électronique, c'est une musique qui s'est imposée, c'est un style qui s'est imposé. Refuser ce style, c'est un non-sens total. C'est comme vouloir refuser le rap, ou comme les gens ont voulu refuser le rock'n'roll dans les années 40. C'est un style qui existe. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est tout style, quand il apparaît, il est global. Donc, les gens s'intéressent à un style avant tout. Ils aiment un style de musique. Parce que quand les gens se sont intéressés au rock'n'roll, ils aimaient tout le rock'n'roll. Ils aimaient bien aussi Elvis Presley, que les Rolling Stones. Puis ensuite, les chapelles se sont faites doucement, se sont ouvertes. Et aujourd'hui, le rock est devenu très large. Bon, et puis si on regarde, le métal est devenu très large, et puis le rap est large, et la musique électronique c'est pareil. Donc à partir du moment où une musique commence à s'élargir, où effectivement il y a des gens qui aiment la house mais qui n'aiment pas la techno, il y a des gens qui aiment le garage mais qui n'aiment pas la jungle, enfin, c'est ouvert aujourd'hui, alors qu'au départ tout le monde aimait un peu le son électronique. Et je pense qu'après il va y avoir une sorte de grand brassage qui va faire que, et on le voit aujourd'hui, on voit des groupes comme Prodigy, des groupes comme les Chemical Brothers, des groupes comme Propellerhead, commence à aller puiser des influences dans le rock, des influences dans le rap, des influences dans la musique électronique, des influences par-ci, des influences par-là, et il donne un nouveau son, il donne naissance à une nouvelle musique. On est au démarrage encore de cette musique, même si ça fait un peu plus de 10 ans maintenant, et je pense que l'évolution sera vraiment l'alliance entre des gens qui viennent d'autres cultures musicales, comme le jazz, comme le rock, et qui vont avoir des rencontres avec des musiciens techno. Et ça va être ça l'évolution, c'est qu'il y aura de la mélodie, des instruments, on y est déjà dedans depuis quelques temps, et de plus en plus, ça va évoluer comme ça. Il commence à avoir de l'influence justement sur le rock, sur la chanson, et elle commence aussi à se laisser influencer par des musiques contemporaines, de la musique classique, la chanson aussi. Pas de parole, qui s'intéresse plus au rythme, qui s'intéresse peut-être plus au corps qu'à la tête, mais bon, qui a quelque chose de très différent aussi. Et tu vois, c'est aussi peut-être la techno qui a ouvert les portes à des groupes comme Tortoise, à d'autres groupes de musique plus instrumentale, et qui avant, c'est vrai, passait pour du... À la limite, on rangeait ça près du jazz rock, et on l'écoutait pas du tout, quoi. Moi, je trouve que c'est super important. Et aussi, une autre chose qu'apportait la techno, à mon avis, c'est une déstarification, une déstarisation. Il y a un néologisme là. Maître Capello, corrige-moi, coupe la bande. Ce qu'a apporté la techno, à mon avis, c'est que ça a rendu que les gens qui en font ne sont pas des stars. Par exemple, tu vois, c'est ce que la démarche que fait Daft Punk en se cachant, en apportant des masques, en voulant répondre à très peu d'interviews. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, dans la techno, le plus intéressant, c'est la musique. Ça fait partie de moi. C'est-à-dire que moi, quand je dis... La dernière fois, j'en parlais avec quelqu'un, je crois que c'est une interview de journaliste qui me posait des questions par rapport à la musique, etc., ce que je faisais. Et quand je lui dis que, écoute, la techno, la jungle, etc., c'est quelque chose de naturel pour moi. J'ai fait DJ pendant 10 ans. Avec des boîtes à rythme, je faisais des samples avec des petites bandes. C'est un ami qui travaillait dans une radio qui m'avait montré comment récupérer des chutes, des bandes, etc. Où j'utilisais avant le sampleur, ou même dans le quart de saison, il y avait déjà une chanson, je sais pas si, qui s'appelait Bleu de Marseille, où il y avait déjà des trucs électroniques, où il y avait aussi... On avait incrusté une boîte du Paris de la Trace au début. J'ai toujours travaillé comme ça. Yeah.
La télé est techno, les bandes annonces sont techno, les pubs sont techno, les fringues sont techno, la bouffe, tout quoi. Tout le monde fait de la techno, ça mélange avec du rock, du rap, etc. C'est un espèce de gros bloc qui avance, et forcément qui devient un peu ramollo et qui prend le bon et le mauvais de plein de choses, quoi. Je veux dire, donc on peut pas... La question n'est même pas de savoir si c'est bien ou c'est pas bien, c'est comme ça. La techno, au niveau de son originalité musicale, inspire et irrigue, je pense, un certain nombre de sensibilités culturelles, comme la mode, avec le streetwear et le clubwear, comme l'art contemporain, comme également, toute cette cyberculture, le web. Adapté aux jeux vidéo. La musique techno est adaptée parce que dans un jeu vidéo, tu as deux choses qui se mixent en fait. Tu as l'action, qui peut être donc résumée par un beat assez simple, très efficace et qu'on peut structurer, et par une mélodie qui va par-dessus. Donc je pense que la jungle et la techno vont très très bien pour les jeux vidéo parce qu'ils ont, tous les deux ce genre de trucs. Et que donc tu peux doser l'un ou l'autre pour avoir, par exemple, le Rapid Racer, on est un petit peu fluide avec un beat très fort. Le beat très fort nous donne une impression de vitesse et nous fait sentir fort. Et le fluide va très très bien avec le jeu. Donc je crois que ça colle très très bien. I think it's as free and it's as useful and as dynamic as techno music. PlayStation and techno music sit comfortably together. Fine. Music and youth culture have gone together for 50 years, they're kind of, you can't separate them. Séquence vidéo, on tourne quelqu'un qui marche dans la rue ou un bébé ou quelque chose, après on le retrafique en montage et puis en soirée il est passé mais en boucle déjà et après il est mixé avec d'autres visuels, donc ça peut aller vraiment d'un personnage à un fond abstrait avec des Indiens, avec des ordinateurs, enfin vraiment c'est le mélange aussi bien nouvelles technologies que des images primitives. Après c'est nous de faire un petit... Il n'y a pas de scénario à la base de toute façon. C'est juste en rythme avec la musique, et après c'est balancé. Les gens ils captent ce qu'ils veulent, hein. On n'impose rien dans les images. Mais des fois c'est vrai qu'il faut aller chercher loin pour avoir un rapport avec la techno, mais c'est, pour certains c'est un mode de vie, pour certains jeunes c'est un mode de vie, c'est une culture, c'est une identité. Et c'est ça qu'on essaye vraiment de faire, quoi. Élargir au maximum, quoi. Tout en quand même restant dans une culture de musique électronique. S'enrichir de ces gens-là qui t'apportent en fin de compte des choses que tu ne penses pas parce que toi tu es enfermé dans ce monde techno et t'en sors pas et en fin de compte tu évolues, tu vas tout droit et puis à côté tu vois rien, tu vois pas, tu es dans un monde qui est complètement fermé, enfin c'est pas pour moi, qui est complètement fermé et tous ces côtés intéressant avec discuter avec des gens qui n'ont rien à voir dans la techno,
En fin de compte, on oublie tout le côté artistique autre que la techno. Et quand on donne nos spectacles, c'est des gens qui sont habitués à avoir des spectacles de danse. Et là, ouais, contemporaine, et là, en fait, c'est un nouveau public qui ne paiera peut-être pas sa place pour aller voir un spectacle dans une salle. Et là, on a permis, cette soirée a permis à d'autres gens de voir des choses qui existent. Déjà à la base un public relativement jeune. On va toucher, enfin on va commencer je pense à l'âge de 16 ans, 17 ans, ils vont commencer à aller en rave. Bon, au fur des années, je pense qu'ils vont se trouver des produits vestimentaires adaptés à la soirée, puisque bon, mais bien souvent ils vont danser des 12 heures, des 14 heures sans s'arrêter, toujours avec la bouteille d'eau qui réconforte. Et au niveau des couleurs, à un certain moment, c'était pas mal le camouflage, quoi, pour pouvoir se mélanger dans le public facilement, s'adapter à tous les terrains, quoi, puisque bon, mais les raves, bien souvent, vous allez trouver des raves en plein air comme des raves en club. Et les couleurs, cette année, sont quand même relativement flash, quoi, c'est des couleurs assez gaies, quoi. Il y a le soleil, il y a tout qui joue, quoi. Ça va un peu trop vite, c'est du manteau en fourrure. Bon, on avait son fourrure de ta mère, quoi, mais j'ai dû acheter 50 francs à l'armée du Salut, il était super joli porté, avec un grand col comme ça, et des vestes en cuir. Les vieux manteaux, alors ça, maintenant, c'est vieux revu. J'ai acheté il y a 5 ans au Garisol pour rien du tout, et que maintenant, tu trouves, je les ai vus chez Kiliwatch à Paris, tu les trouves à 800 francs. Et quand c'est pas plus cher, parce que c'est recherché, il n'y en a plus. Techno est un mouvement culturel extrêmement important. Bon, il est peut-être apparu à certains comme anecdotique, comme passager lors de son arrivée, on va dire les choses comme cela en France, il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est un mouvement de masse, c'est un mouvement musical, qui se prolonge de multiples façons. Un mouvement, quand il démarre, c'est là qu'il est plus revendicatif, et plus ça se commercialise, et plus... il y a des intérêts commerciaux en jeu, et moins le mouvement devient revendicatif et plus démocratique, il s'étouffe dans la masse, on va dire. Donc à mon avis, c'est la destinée de la techno et de la musique électronique en général.